Allez, salut tout le monde, bienvenue sur Stick de Geek. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Pierre. Comment il se passe? Hasta muy bien, gracias. Hasta muy bien. Tambien. Ah là là. Alors, aujourd'hui, tu nous proposes un petit unboxing, donc. D'un petit pack que j'ai acheté à l'époque, complet sous scellé. D'accord. Voilà, il a jamais été ouvert, sauf par mes soins, encore une fois. Ok. Et en fait, on n'est pas là pour parler de la Mega Drive 2. Qui est en face, mais du méga. Méga CD. C'est ça. Tiens, tu peux le soulever, le montrer un peu plus haut. Voilà. Donc le Mega CD, qui est plutôt en Mega bon CD 2. Méga CD 2. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc du coup, donc on va vous présenter ça. Donc c'est un produit que tu avais acheté à l'époque. C'est ça, j'ai acheté à un client d'ailleurs. D'accord. Qui avait ça, qui avait. C'était la petite histoire, a été très, très plus simple que prévu. On va dire que cette réunion sans grenier, c'était un cadeau de Noël qui a jamais été offert. D'accord, ok. Voilà, et du coup, d'une chose à une autre, on discute, jeux vidéo, machin, tout ça, une passion que j'ai. Et bah là, il me dit qu'il avait ça. Et du coup, je devais faire des travaux chez lui, donc du coup, il y a eu un petit arrangement. Un petit compromis, et du coup, sacré pack quoi. Très joli pack. Très joli pack. Hein, voilà. Il y a encore même des choses scellées à l'intérieur que j'ai pas démonté parce que j'avais déjà l'objet en possession. Ok. Voilà. D'accord. Bon, on va voir ça de toute façon. On va dépister. Enfin, dépister. On va unboxer tout ça. C'est ça. Voilà. Et puis, on vous dit à tout de suite. Maintenant, la météo. Aujourd'hui, violente rafale sur canal Sega. Mega Drive de Sega, t'en as une. Maintenant, tu peux avoir le Mega CD avec 500 fois plus de puissance pour t'éclater. Tu peux même écouter des disques CD audio. Et maintenant, bienvenue sur canal Sega. Amateur de Mega CD, voici le programme. Tout d'abord, clip vidéo. Mais aussi l'astuce du mois. Aujourd'hui, comment éviter les transports en commun aux heures de pointe? Enfin, sur Mega CD, Thunder Rock t'offre un baptême de l'air explosif. A bientôt sur Canal Sega. Donc Pierre, let's go pour le unboxing. Donc là, on peut voir, donc c'est le pack qui inclut le jeu Tom Cat Alley, donc le jeu d'avion de chasse, et Road Avenger. C'est ça. Pour donc, le jeu de voiture, quoi. Pour un prix de 1795 francs. Attends, descends un petit peu. Voilà, 1795 francs, donc c'est équivalent à 270 euros à peu près, quoi. Environ aujourd'hui, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Donc c'était pas donné, quoi. C'est ça. Donc, allez, c'est parti. Donc on peut voir donc en façade donc le jeu. Sur le côté, il nous montre. Ouais, c'est mieux comme ça. Il nous montre donc qu'il est compatible cartouche, donc jeu Mega CD, et qu'il pouvait lire aussi les CD de musique. Derrière, on peut voir quelques jeux donc, de lancement. Donc il y a Final Fight, le mythique map Final Fight, à Solfis aussi, très bon shoot'em up. Road Avenger, il y a aussi Night Trap, le FMV. Wolfshide, excellent avec une bande son ornementale. Robo à l'Est. Ouais. La saga à l'Est. Afterburner, Jaguar, Cobra Command. Voilà. Donc quand même un bon petit line-up, j'ai envie de te dire. Ouais, là il n'y a pas grand chose, donc du coup c'est bon, okay. On y va, on y retourne. C'est parti. Let's go. Donc ça c'est sorti en quelle année à peu près, tu sais exactement? 93 je crois, 94? Peut-être. Je crois que c'est sorti en 93 le Mega CD. On va mettre un petit onglet ici. Ouais. Sauf que... On n'y arrive pas. Sauf que c'est, ça sera peut-être plus là, tu vois. D'accord. Donc voilà. Ok, donc là, je mets ça là. Voilà. Donc du coup, il y avait la spin card. Donc la spin card, donc du jeu Tomcat. Ok. Non plié. Ah ouais. Voilà. Cool. Bon état. Donc le fascicule pour la console. Donc voilà. Le manuel d'instruction. Ok. Et donc le combo de jeux, on peut voir là. Tu peux nous les sortir. Je te sors les jeux. On est dans un état nickel. Jamais utilisé. Ah, quoi. Ouais.
Road Avenger. Donc un sorte de FMV aussi, en mode de dessin animé. Avec des QTE. Le CD est assez classe, hein, je trouve. Voilà. Ça grince. Ça grince. C'est du neuf. Mais de huile. Faut huiler là. Ah. Donc Road Avenger, ok. Donc, voilà, Notice. Voilà. Ouais, donc comme tous les deux packs. Ils étaient pas mal quand même les jeux Mega CD, hein, en double comme ça en big box. Ouais. Et puis Tomcat, allez, donc je connais pas trop ce jeu là. Je vais voir ce que ça donne derrière. D'accord. Pareil, c'est un FMV, hein, avec des vrais acteurs, des vraies captures. Afterburner, un peu mieux, okay, je dirais. Voilà. Tip top. En super état. Ok. Bah, état neuf. État neuf. Voilà. Et donc, le monstre, le méga CD, sors-nous cette bécane. Ben non. Non, t'as pas envie. Non, parce que du coup, il y a quand même cette pièce-là qui était faite pour la Mega Drive 1. D'accord. Donc ça, c'était le support qui permettait de mettre la Mega Drive 1 sur le méga CD, quoi. Voilà, que j'ai pas ouvert. Ok. Parce que je possède déjà le support d'origine dans la Game Room. Bon, on va pas l'ouvrir, mais... voilà, bah, je laisse. On voit le délire qu'il y avait ça dedans. Dans c'est la ça. Allez, hop, on le sort. Par contre, la bécane, elle a été ouverte. Enfin, oui. Elle a été ouverte. Bah, pour le test, il fallait que je le teste. Donc voilà l'engin. Je trouve ça très beau quand même. Je sais pas ce que t'en penses, toi, Pierre. J'aime bien. J'aime bien l'allure du truc. J'aime bien. C'est propre. Ouais. C'est profilé, c'est futuriste un peu. Tu vois, à la puis fois. Bon, c'est du combo Sega aussi. C'est du quand combo même. Sega, quoi. Ouais. Donc là, on peut voir que donc de base, elle est destinée à la Mega Drive 2. Voilà, qui était complet avec le pack. Voilà. Quand je l'ai acheté sous scellé. Mm-hmm. D'accord. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un bouton d'ouverture pour mettre donc le SCUD, le CD. D'accord. Voilà. On va faire. Voilà. Donc du coup, on passe directement sur l'arrière, je pense. Ouais. Donc là, il y a une sortie. Hein. Audio, je vois pas très bien. Il y a alimentation. L'alimentation, il y a tout quoi en fait. Derrière. C'est ça, voilà. Et puis sur les côtés, il y a quoi d'autre? Donc là, en mais il n'y a rien sur les côtés en voilà, fait. Hein, après, il y a voilà, quelque chose de très classique. Ah si, une habitante là. Une petite araignée. Ouais. Ouais. Ouais, bah, on l'a un petit peu dérangé en fait. Hein. Mais bon. Donc voilà. Donc ouais, très beau produit hein, quand même. Hein. C'est pire que ça de l'allure. Elle se balade en plus. Elle se balade. Voilà. Ouais, très classe, méga CD. Voilà. Donc, bon, après le méga CD, il n'y a pas énormément de jeux. C'est pas un catalogue fourni de fou. Hein, ouais, mais après, c'est quand même des jeux qui cotent. Par contre, des jeux qui cotent très cher, hein, forcément. Parce que ça a été publié à pas énormément d'exemplaires. Hein. Donc, il y a des trucs encore en dessous là. Il y a une platine. Ouais. Après, il y a quand même quelques titres hein, qui sortent du lot. Hein. Oui, comme Terminator. Terminator. Il y a quoi d'autre que le Final Fight, qui est une très belle conversion. Hein, ouais, Final Fight. Avec des qualités de son donc, audio, CD. Quoi. C'est ça, qui était le top. Hein. Ouais. Il y a quand même, je pense, aussi Echo le Dauphin. Echo le Dauphin. Ouais, qui est nettement plus joli sur le truc. Voilà. D'accord. Ah, on remet ça comme après, ça. Après, il faut dire aussi qu'il y a quand même beaucoup de merde. Faut pas se cacher, il y a quand même beaucoup de merde sur Mega CD aussi. Ouais, mais après, voilà. T'aimes le jeu vidéo, tu l'aimes pas. Oui, non, c'est clair. Mais les peu de jeux qui sont qui frôlent l'excellence sont vraiment sont cool, quoi. Et ils sont très chers. C'est ça. Compliqué à se les approprier, quoi. Ouais, donc, c'est clair. Mais bon, voilà, c'était une belle pièce aussi qui faisait partie de ma collection que celle-ci j'ai achetée. Mmh, d'accord. Mais bon, j'étais content. Ouais, ouais. Non, bah, c'est une belle pièce, hein, tu peux être fier. Hein. Voilà. C'est sûr. Bon, on fait une petite conclusion ? Ça marche. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Hey, bouge-toi un peu ! On n'a qu'une vie. Qu'est-ce que tu dis de ça ? Plus vite. Ça va trop vite. Ça aussi, ça va venir vite. Oh, we don't
Megadra, c'est plus vite que toi. Bon alors, verdict sur ce méga CD, Pierre. Qu'est-ce qu'on peut en dire exactement? Que c'est quand même une sacrée belle pièce. Oui. Surtout en fait le packaging. Enfin le packaging, le pack que j'ai eu à l'époque, qui était scellé. Le fait d'avoir les deux ensemble, c'était quand même... Réunis, ouais, le même jour, en neuf. Usé par le temps, mais quand même neuf. Donc ouais, voilà, le méga CD, c'est quand même une pièce assez, assez jolie. Emblématique. Assez onéreuse. Aussi. Faut le dire. Surtout le méga CD 1 qui est très compliqué à avoir. Ouais. Mais bon, là c'est le méga CD 2, c'était la version plus européenne, je pense. Mega CD 1, c'était une version plus Jap, c'est ça, américain. Donc le Mega CD aussi, donc un catalogue de jeux assez diversifié, on peut le dire. Même aussi. Ah, après il n'y a pas énormément de jeux non plus, faut comparer à d'autres consoles. Par contre, il y a des titres quand même qui sont assez intéressants, comme le Terminator, comme on disait. Ouais, Terminator, c'est pour moi, je pense que ça reste une pièce que j'aimerais bien avoir. T'as vu le prix maintenant, le prix du jeu est complètement abusé quoi. Mais je le trouverai un jour en déchetterie. je l'aurai un jour en déchetterie. J'espère pour toi. Je l'aurai un jour en déchetterie, c'est obligé. J'espère pour toi. Voilà. Après voilà, il y a aussi Echo qui est pas mal sur Mega CD. Avec il est joli. Films. La bande son est très 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 bien. Du coup, je l'ai eu aussi. Je l'ai acheté celui-là aussi. Mais ce qu'on peut conseiller aussi, c'est le Final Fight. Ouais. Hein, c'est quand même assez remarquable pour du Mega CD, il est très proche de la version arcade. C'est ça, ouais. Mais, et puis avec une OST et une bande son mais qui éclate tout quoi. C'est ça, c'est clair. C'est quand même la puissance, la puissance du Mega CD, c'est quand même le niveau sonore qui est upgradé de fou quoi. Voilà. Voilà. Pour ma conclusion, pour ma part, c'est simple. Il a pas voulu qu'on fasse un unboxing de celle-ci, mais... Ah, mais pourquoi pas pour une prochaine fois, on verra. Sans like. Sans like. Sans like. Sans like sur la vidéo. Et on l'a fait. On l'a fait. Ça marche. Bon, on fait comme ça. Je te remercie encore, Pierre. Moi aussi, je te remercie. Pour matos. Et je vous remercie pour le restant. Je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. C'est clair. Allez, salut. Tchuss. À bientôt. Sautez sur votre style de geek.